présente, Kim Boutin, triple médaillée olympique. Puis aujourd'hui, on est dans ma cuisine pour faire une recette de farci. Et dans le fond, je représente cette saison l'œuf champion pour les œufs du Québec. Alors, et voilà, on est parti. Je vais commencer par faire bouillir mes œufs. 14 minutes. Je sais pas vraiment d'où vient, c'est un don que j'ai eu. Puis ma mère me dirait de pas mettre ça en dessous de l'armoire. Parce que clairement, là, que ça boucane. Fait que attention à vos armoires aussi. Bon, par la vérité, on coupe en deux. Quelle belle cuisson! Là, c'est l'étape que je mets ma mayonnaise maison. Alors, voici l'étape pour la mayonnaise sucrée. Puis, je vais me faire chicaner possiblement parce que, en fait, c'est une recette secrète de. C'est la grand-mère à la mère à mon copain. Puis, là, c'est ça. On va divulguer cette fameuse recette de mayonnaise sucrée. Elle va être en lien. Ça va être sur le site. La soupe des œufs. Alors, je mets à peu près. Habituellement, la recette, je la fais pour 6 œufs. Là, j'ai fait pour 3 œufs parce que ce midi, je vais manger que 3 œufs. Puis je mets à peu près une demi-tasse pour 6 œufs. Fait que là, je vais mettre un petit peu moins. Là. Moi, je vois à l'œil. J'ai acheté des petits séries parce que moi, je trouve que ça rajoute un petit croquant. Vu que la mayonnaise est sucrée, je rajoute du sel de céleri un petit peu parce que ça rajoute un peu de salé et j'adore ça. Alors, bon appétit!